Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 3 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 9e vidéoconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est l'implantation des proto-humains sur Terre et leur relation avec les étortants. Les informations que je partage, comme vous le savez dorénavant, au fil des visioconférences, sont de sources purement extraterrestres. Elles sont radicalement différentes des informations officielles, au point que beaucoup considèrent qu'il s'agit de science-fiction. Mais sachez qu'elles m'ont été confiées en l'état et enregistrées, noir sur blanc, par écrit et en audio, notamment avec Zen, mon contact principal, dans une série de travaux que nous avons commencé ensemble depuis 2016. Je lui ai demandé de m'informer sur les conseils qui siègent au sein de la Fédération Galactique, ce qu'il fit avec beaucoup de plaisir. Pour développer la thématique du jour sur les étortants et les proto-humains, je vais vous rapporter deux conversations que j'ai eues avec Zen. La première conversation a duré 2 heures et demie. Elle a eu lieu le mardi 31 janvier 2017. Elle a commencé à 18h01 minute et 46 secondes et s'est terminée à 20h27 minutes et 52 secondes. Et la seconde conversation a duré 2 heures et 7 minutes. Elle a eu lieu le vendredi 3 février 2017 de 22h01 minute et 35 secondes à 8 minutes passées minuit et 26 secondes. Donc, en tout, rien que cette présentation aujourd'hui, et c'est une toute petite partie sur les étortants, représente au minimum 4h37 de travail, sans compter évidemment les traductions, l'édition des textes, la création des vidéos et puis mes présentations. Ces données sont précises parce que, comme je l'ai dit, j'ai enregistré toutes mes conversations avec Zen. Il est donc facile de m'y reporter. Les étortants sont de la lignée des gris. Il existe de très nombreux types de gris. La lignée des grands gris, qui est différente de la lignée des petits gris, il y en a, rien que pour les petits gris, 165 lignées. Les grands gris sont les grands gris de l'Empire d'Orion, les grands gris bioniques d'Orion et les maîtres, les maîtres. Les petits gris sont ceux notamment de la constellation du Réticule, que l'on appelle couramment les Zeta, ZETAS, des petits gris d'Orion, ainsi que des petits gris bioniques. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ils ont été l'une des premières lignées à être membres de la Fédération Galactique, où ils occupent le siège numéro 12. Ils y participent, non en personne, car leur système stellaire est à 642,5 années-lumière, mais grâce à un système holographique interposé. C'est leur hologramme qui assiste aux réunions de la Fédération Galactique. Ils habitent de très nombreuses planètes en orbite autour de Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, que l'on appelle aussi Alpha Orionis ou Ori 58, qui est le deuxième soleil le plus brillant après Rigel. Voici donc les questions que j'ai posées à Zen concernant les étortants et ses réponses. C'est un extrait, ça n'est pas du tout l'entièreté de toutes mes conversations que j'ai eues avec lui. Donc je lui demande,
Les étortants sont-ils les grands gris dont on parle sur Terre? Et Zen répond, non, il s'agit d'une autre espèce. Ils sont de la constellation d'Orion et ils dominent tout le secteur autour de Bételgeuse. Ils mesurent entre 1,85 m et 2,45 m de haut, c'est-à-dire généralement la hauteur sous plafond d'un appartement ici sur Terre. Ils ont un corps comme le nôtre, avec une tête, un tronc et quatre membres, mais leurs organes ne sont pas situés aux mêmes endroits, et certains organes sont mélangés. Ils ont trois doigts et trois orteils à chaque main et à chaque pied. Ils absorbent des bioaliments produits artificiellement. Zen me dit qu'il ne sait pas ce que ces aliments contiennent. Il suppose que ce n'est pas d'origine animale. Ils sont uniquement télépathes et ce sont des experts en génétique et, comme il les a appelés, les gardiens des ADN. Leur rôle, ce sont des guérisseurs positifs, des aides pour d'autres races, des semeurs d'espèces sur différentes planètes qu'ils considèrent comme leur jardin. Ils terraforment les planètes avec leurs amis, les Arcturiens d'Yazli Antiplex. Ils implantent la faune, la flore et les proto-humains spécifiques à chaque planète et ensuite ils s'occupent de leur jardin, les différentes planètes et ce qu'ils y ont implanté. Ils créent, construisent et aident à évoluer. Ils ne détruisent pas. Ils disent que c'est ainsi que leur lignée a toujours été et que c'est la manière dont ils ont toujours agi depuis le début du temps. Même si cette expression pour eux n'a pas vraiment de sens, parce que ils n'ont aucune notion de temps comme celle que nous avons ici sur Terre. Ils ne croient pas au temps. Ils sont interdimensionnels et ils peuvent utiliser des vaisseaux spatiaux tout autant que leur corps ou leur esprit. Ils sont fortement télékinésiques. Ils sont sérieux et très stables, presque impossibles à bouger mentalement ou à influencer. Ils ont une présence incroyablement forte, assez intimidante. Ils sont difficiles à comprendre car ils n'ont pas le comportement typique d'une personne. Leur comportement est très difficile à décrire. Il n'existe aucun point de référence, même de mon point de vue d'extraterrestre, me dit Zen. Je pourrais dire, dit-il, qu'ils sont presque robotiques, mais ce n'est pas ça non plus. Je sais que ce que je dis est un peu vague, mais leur comportement, même à moi extraterrestre, me paraît étranger. Peuvent-ils changer de forme à volonté? Non, ils ne le peuvent pas naturellement, mais ils le peuvent en utilisant des technologies avancées. Ont-ils une structure familiale? Non plus. Ils ont un esprit de ruche et ils sont organisés en groupes de travail. Leur structure familiale est le groupe de travail. Comment se reproduisent-ils? Zen. Ils n'ont pas de sexe et se reproduisent en laboratoire. De toutes les espèces qui ont un siège au sein de la Fédération galactique, les centauriens alphratiens sont les plus proches des terriens, et l'espèce qui est la plus extraterrestre et la plus différente des humains sont les étortants. Lorsque l'atmosphère de la planète Terre fut devenue propre à être habitée, ils ont implanté les premiers proto-humains sur Terre avec l'aide des Arcturiens. Puis ils les ont laissés se développer naturellement. Enfin, les premiers anciens cosmonautes, qu'étaient les Lyriens, extraterrestres, débarquèrent sur Terre. Ils fuyaient la colonisation de leur planète. Les proto-humains, puis les prédécesseurs, les Néandertaliens,
les Denisoviens évoluèrent naturellement et se développèrent en parallèle aux humains extraterrestres, donc des extraterrestres qui ont forme humaine, qui venaient d'arriver et qu'ils considéraient comme des dieux. Nous sommes, nous, femmes et hommes modernes, terriennes et terriens, les descendants de ces deux lignées terrestres et extraterrestres. Voilà, ma présentation est terminée. Elle est assez courte pour vous permettre de poser toutes les questions que vous voulez poser.